Ah, tu parles assez avec tes parents? Toujours. Un va s'arrêter, se vélanet, un va s'arrêter, c'est un net. Bienvenue à tous ici dans la commune de Holzheim. Je suis très très contente d'accueillir ici dans notre village Nathalie Kosciusko-Morizet. Je crois, même sans tomber dans la caricature, que les femmes ont souvent une autre approche de la politique. Je connais Nathalie depuis 2002. C'est d'abord la compétence. Elle incarne quelque chose de bien, de grand et de fort, qui est son projet. Je veux qu'on parle de ces sujets qui sont dans la vie des Français, bien plus sûrement que les polémiques qu'on entend trop souvent dans le monde politique. J'ai deux enfants qui ont 7 et 11 ans. J'ai une première préoccupation, c'est de savoir s'ils sont en sécurité. Bienvenue du bon champagne. Avec plaisir. On a fait le pari d'installer des caméras sur tous les secteurs. C'est un outil de sécurité. Le travail de la police se trouve grandement facilité par l'installation des caméras. Vous avez voté récemment l'armement de la police. Actuellement, les polices municipales n'ont pas accès aux différents fichiers de police, sachant que les garagistes ont accès au fichier national automobile. Donc il y a vraiment des trucs qui ne vont pas dans le sens de la simplification de l'action de police. Aujourd'hui, quand on porte un uniforme, on est une cible. Un mot sur les policiers. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, porter l'uniforme, c'était faire de vous une cible. Moi, je souhaite qu'on aligne leurs conditions d'utilisation de leur arme sur celles des gendarmes. Police plus justice plus armée. En 1995, on était à 7% du PIB. Et aujourd'hui, on est à moitié moins. Il y a un problème global de rééquilibrage des moyens au profit de l'action régalienne de l'État. Et on ne peut pas dire, nous autres, les politiques, tous, on est en guerre. On est en guerre et ne pas en tirer de conséquences. On sait qu'on est dans un état de guerre qui va malheureusement durer. Il n'y a pas cette prise de conscience de cette fatigue qui dure depuis plusieurs mois. Quand il y a eu les événements, vous avez des collègues qui, même en congé, ont proposé de venir travailler. Mais quand il y a des périodes qui sont un peu plus posées, il faudrait permettre à ces collègues de pouvoir souffler. C'est vraiment un ras-le-bol général. On peut appeler n'importe quel collègue. Donc là, s'il n'y a pas des décisions vraiment fortes, je pense que c'est un mouvement qui risque de durer. Police municipale, police nationale, et maintenant, pourquoi pas aborder ensemble la question de la sécurité en milieu rural. Qu'il s'agisse d'ailleurs des communes qui sont dans la perspective d'être intégrées un jour dans une communauté urbaine, qui auront forcément des questions de sécurité un petit peu différentes, ou des communes qui sont totalement rurales. Le problème, c'est que dans le rural, la gendarmerie elle a une grande étendue de prospection. La sécurité, pour moi, ça reste quand même le métier de l'État. Vous étiez où dans les armées? J'ai commencé dans les parachutistes, j'ai fini dans le matériel. Non, parce que je me fais engueuler par Jean-Louis qui me dit, faut pas tenir comme ça. Ah non, non, oui, c'est moi, parce que... Oui, je regarde les voisins, je dis, mais attendez, je suis pas la seule. On se perd. On va s'arrêter, se mêler. On va s'en vêler, c'est un état, un signe, un schnock, alors, c'est un blasphème, s'en vêler.